Hello, thank you very much, ladies and gentlemen. I'm going to go straight into the panel discussion because we don't have a lot of time, and three of our speakers have to go straight from here to the airport. So I'm going to begin straight away, and I'm going to start with Mr. Mohamed Salah Anadif, who's the special representative of the UN Secretary General in the UN Stabilization Force. I'll be very interested. We have a lot of territory to cover. We have a lot of crises. We're looking at Libya, Niger, Mali, the insecurity in Burundi, and we're going to try to focus on the links and the causal problems of these issues. And we want to get your input. So I'm going to request these speakers to be shorter than they usually are so that we can have a little bit more time for a little bit of debate. But thank you, sir. I'll come straight to you. Merci beaucoup. C'est vrai que le temps nous manque, mais je vais essayer quand même d'introduire un peu la problématique des crises dans ces quatre pays qui sont cités ici, et un petit rappel historique et puis de suggérer quelques pistes de sortie des crises éventuelles. D'abord, si nous prenons la RDC, la RCA, le Burundi, la Libye, tous les quatre pays aujourd'hui sont sur l'agenda international. Ils sont tous traités au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, ils sont traités au niveau du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Le deuxième élément commun, c'est qu'il y a quatre missions de paix des Nations Unies. Il y en a au RDC, RCA, Libye et éventuellement le Mali où je suis. Il y a des envoyés spéciaux pour la Libye, pour la RDC, pour la RCA et pour la Libye également. C'est autant de points communs. Maintenant, si on fait l'état des lieux, nous devrons reconnaître qu'un pays comme la RDC est un pays qui a été enfanté même dans la crise. La RDC a eu son indépendance en juin 1960. 11 jours après, les Nations Unies ont été amenées en rescousse. Donc les Nations Unies sont présentes en RDC depuis 1960. Avec quelques périodes intérimaires. La RCA, c'est un pays qui n'a vécu que des successions de coups d'État, des crises, des assassinats, comme également le Burundi. Si nous prenons les trois pays, nous avons la RDC au moins 5 coups d'État depuis l'indépendance. La RCA au moins 4, le Burundi au moins 5. Et ce qui m'amène à arriver à une première conclusion pour dire que l'outil de sécurité a été défaillant dans tous ces pays et qu'il est extrêmement important d'avoir un outil sécuritaire qui doit être garant d'un certain nombre de choses dont les questions des coups d'État sur lesquelles les armées des trois pays ont été mêlées. Comment faut-il sortir? Il y a, je crois, le court terme et le moyen terme. Pour le court terme,
je suis de ceux qui estiment qu'en RDC, c'est pour la première fois qu'il y a eu transmission de pouvoir de façon pacifique après une élection, même si elle a été contestée par-ci, par-là. Et je suis pour qu'on accorde le bénéfice de doute à Tshisekedi, malgré qu'il y a beaucoup de langues qui disent que, bon, c'est plutôt Kabila qui continue à gouverner. Moi, je suis de cette région de l'Afrique centrale. Je sais de quoi je parle et j'estime qu'il faut leur accorder le profit du doute et j'estime qu'ils peuvent s'en sortir. La RCA, mon frère à côté est représentant là-bas, mais j'ai dit également, après les successions de coups d'État, en 1993, il y a eu une élection qui a amené Patassé au pouvoir. Malheureusement, après aussi, il y a eu un coup d'État, celui de Bozizé. Après Bozizé, il y a eu Diotodia qui a renversé aussi. Maintenant, on a une élection. En plus de l'élection, l'accord de Khartoum, en février, a donné une chance pour dire qu'ils peuvent résoudre le problème par la négociation. On peut aussi, dans le court terme, dire que s'ils mettent réellement en application cet accord, il y a une possibilité de sortie de crise. Le Burundi, c'est un peu compliqué. Mais moi, je suis de ceux qui estiment également que dans le court terme, ce qui va déterminer la paix, c'est les élections qui auront lieu en 2020. Il y a eu une première élection de Nkurunziza en 2005. Il y a eu une deuxième élection en 2010. Il y a eu une troisième élection en 2015. Lui, il estime qu'il a fait deux mandats. La communauté internationale trouve qu'il a fait trois mandats. Il a annoncé qu'il n'allait pas se présenter. Moi, j'estime que dans le court terme, si vraiment en 2020, il ne se présente pas et qu'un consensus a été trouvé en termes de réconciliation nationale, il est possible, dans le court terme, qu'il y ait une paix. Mais dans tous les cas, il est extrêmement important de réformer le secteur de sécurité pour qu'on ait une armée réellement professionnelle et qui soit garante de la souveraineté et de l'indépendance de ces trois pays. La Libye, c'est un pays voisin. Moi, je suis du Tchad, la Libye est mon voisin. Je ne voudrais pas dire beaucoup de choses. Bon ou mauvais, il y a eu le coup d'État de 69 de Gaddafi, mais en octobre 2011, il a été assassiné. Aujourd'hui, on cherche la Libye sur la carte, on ne la trouve pas. Il y a une dissémination des armes qui sont là, il y a des tribus que chacune a ses armes, et il y a une légitimité de pouvoir entre Haftar et entre Fayaz qui est au niveau de Tripoli. Je crois, dans le moyen terme ou dans le court terme, il est extrêmement important que les ingérences extérieures arrivent à trouver un même agenda pour la Libye. Parce que pour le moment, ce qui attise, c'est cette ingérence extérieure, aussi bien par les pays voisins que par les pays occidentaux. Je crois qu'ils auront à gagner s'ils trouvent une même vision pour une solution à la Libye. Mais évidemment, pour le long terme, il y a une armée à reconstituer, il y a une population à réconcilier et les rendre autour d'une Libye, parce que jusqu'à là, c'était tout simplement des tribus armées que Gaddafi a pu jusqu'à là animer pendant les 42 ans. Mais à l'heure actuelle, c'est la jungle. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que la Libye est en train de déstabiliser le reste du Sahel, dont le Mali, où je suis. Mais dans le court terme, il est extrêmement important que la communauté internationale fasse pression sur ces deux responsables pour qu'ils puissent se rencontrer. Je vous remercie. Thank you very much, sir. I have a lot of questions already, and so I can imagine my audience has an even greater number. I think it's very important that we not lose sight of the human cost. On my way here, I was reading of the leader of the opposition in Burundi, the female lady who was taken out, raped and murdered. And we see the people who commit these atrocities truly punished, surely the prospects for peace will not be great. And we'll move straight to Central African Republic, where I know, again, the insecurity has had an enormous human toll.
But hopefully, Mr. Ndaye will be able to bring us up to speed with the latest developments there and the prospects, I hope, of a better future. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier mon ami, mes frères, Brian Fury, pour avoir pris encore cette année l'initiative d'organiser ces MEDEIS et de m'y inviter comme les années précédentes. Alors, moi, je vais me focaliser particulièrement sur la République centrafricaine. Je crois que mon frère Anadif a déjà fait des développements sur les autres situations de crise. Et notre frère, également secrétaire général du G5, également parlera également de la question du Sahel. Donc, je ne vais pas trop développer sur les autres crises. Mais sur la RCA, la question, c'était comment sortir de la crise en République centrafricaine. C'est une question qui est à la fois actuelle, qui est à la fois pratique, et surtout à la suite de l'accord de paix, et politique de paix et de réconciliation qui a été signé à Bangui le 6 février dernier, qui a été négocié longuement à Khartoum. Je pense qu'une transformation de la crise devrait, de mon point de vue, reposer sur l'impératif d'adopter une approche globale. Premièrement, d'avoir une articulation fonctionnelle entre les processus politiques et les processus de paix. Et troisièmement, renforcer le dialogue international pour la consolidation de la paix. Alors, l'approche globale. Vous savez, la crise en Centrafricaine est symptomatique des faiblesses structurelles de l'État, dont la quintessence doit être restaurée afin de lui permettre d'assumer la plénitude de ses compétences. Et cette restructuration de l'État doit se faire à tous les niveaux et de manière graduelle. Elle va au-delà du personnel, de la logistique, des opérations de l'État pour appréhender sa réhabilitation morale par la promotion de la gouvernance, par la promotion de l'État de droit et des droits de l'homme. Il s'agit en particulier d'accompagner la RCA pour qu'elle se dote de moyens d'appropriation des mandats thématiques de la MINUSCA et de concrétisation du consensus national. Vous avez un pays très vaste, aussi vaste que la France et la Belgique réunies, avec une population très faible, à peu près 5 millions d'habitants. Vous avez un pays où l'État ne contrôle pas tout le territoire national, où l'État n'est pas présent sur tout le territoire national, où vous avez une bonne partie du territoire occupée par des groupes armés qui contrôlent, qui ont leur propre administration, qui exploitent illégalement les ressources naturelles, le diamant et l'or en particulier, qui procèdent à des trafics qui sont de part et d'autre des frontières de la RCA. La RCA, vous le savez, a des frontières très compliquées, difficiles. Une frontière avec la RDC, une frontière avec le Tchad, une frontière avec le Cameroun, une frontière avec le Soudan, une frontière avec le Sud-Soudan, Soudan, des pays qui sont aujourd'hui en difficulté, en crise, et ce qui rend complexe également le règlement de la crise, parce que la dimension régionale de la crise est très forte. Ensuite, aujourd'hui, nous travaillons pour redéployer les services de l'État sur tout le territoire. Nous travaillons avec le gouvernement pour étendre l'autorité et la présence de l'État en déployant les forces armées et de sécurité dans des régions où elles sont absentes depuis des années. Aujourd'hui, il y a des pas qui sont faits. Il y a quelques mois, avec le gouvernement, nous avons aidé à redéployer les forces armées centrafricaines à Kagabandoro, une région où elles sont absentes depuis plus de 5 ans, à Birao ou à Bria. Et nous poursuivons ce travail de déploiement de l'autorité de l'État, les forces armées, les forces de sécurité intérieure, la police et la gendarmerie, ensuite les autres services de l'État, les services fiscaux, les services judiciaires. Donc c'est un travail qui se fait. Et c'est comme cela que l'État arrivera à asseoir sa présence et son autorité, et c'est comme cela que la présence des groupes armés va être progressivement réduite. C'est un grand défi. Alors, il faut également accorder une grande importance à la réforme du secteur de la sécurité, mon ami Anadif l'a dit, à la justice transitionnelle, y compris l'opérationnalisation des réformes structurelles. La réalité est que les différents processus politiques et de paix ont fini de mettre en place de manière formelle une infrastructure pour la paix, y compris, en tout cas, la construction de nouvelles institutions. L'articulation fonctionnelle des processus politiques et de paix. Le processus politique qui a abouti aux élections libres et inclusives de 2015-2020 à RCA n'aura pas jeté les bases d'un dépassement politique du conflit. Nous avons eu
des élections en 2015-2016, on pensait qu'après l'élection d'un président démocratiquement élu, légitime, les choses allaient revenir progressivement à la normale, et ce n'est pas le cas. Les groupes armés ont continué à se multiplier. Aujourd'hui, il y en a plus de 20. 14 parmi ces groupes ont signé un accord politique de paix et de réconciliation le 6 février dernier avec le gouvernement. Nous travaillons à mettre en œuvre progressivement l'accord. Il y a des progrès importants qui sont faits, mais il reste également beaucoup, beaucoup à faire. Donc il faut que le processus politique puisse être articulé au processus de paix. Et hier, le Conseil de sécurité a renouvelé le mandat de la MINUSCA pour une période d'un an, hier, en adoptant à l'unanimité une résolution, la résolution 2499, qui donne à la MINUSCA des tâches prioritaires, mais également qui élargit le mandat à l'organisation des prochaines élections de 2020-2021. Et le cœur du mandat tourne autour des questions essentielles comme la protection des populations civiles, comme les bons offices politiques que nous menons également, avec un dialogue permanent avec tous les groupes armés, avec le gouvernement, le travail que nous faisons également pour asseoir les bases d'une véritable réconciliation nationale, la cohésion sociale pour appuyer également la justice transitionnelle, l'appui aux élections, ce qui est fondamental. Et aujourd'hui, la MINUSCA a le mandat d'appuyer au plan logistique, au plan de la sécurité, l'organisation des prochaines élections, parce que c'est aujourd'hui c'est la seule force qui est capable de le faire. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le gouvernement n'est pas présent partout. Les forces de sécurité et de défense ne sont pas présentes partout. Ensuite, travailler pour que l'assistance humanitaire puisse parvenir aux populations qui en ont besoin. Un centrafricain sur deux est dans un besoin humanitaire extrêmement urgent. Beaucoup de réfugiés, beaucoup de personnes déplacées, et s'y ajoutent également les changements climatiques avec des inondations qu'on a connues ces derniers jours en Centrafrique où il y a plus de 30 000 personnes déplacées. Tout cela vient s'ajouter également à la crise humanitaire que le pays vit depuis plus de 5 ans. Donc il y a beaucoup de tâches qui sont extrêmement importantes que nous nous employons à mener. Et donc, pour me résumer, nous avons un nouveau mandat qui court à partir du 15 novembre 2019 et qui va s'étendre jusqu'au 15 novembre 2020 avec de nouvelles tâches extrêmement importantes. Et l'une des tâches les plus importantes aujourd'hui, c'est d'aider à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels prévus, parce qu'il faut que ces élections se tiennent. Ces élections vont permettre de stabiliser, de consolider le processus de paix, de stabiliser également ce pays, d'avoir de nouvelles autorités légitimes à partir de 2021 pour poursuivre le processus politique et le processus de paix. Voilà, pour me résumer, je sais que vous souhaitez que j'en termine, mais voilà un peu ce que je voulais dire en attendant de pouvoir revenir sur la RCA pour répondre aux questions qui vous intéressent. Dernier point, c'est le renforcement du dialogue au plan international. Aujourd'hui, vous avez un pays qui mobilise toute la communauté internationale. Vous avez beaucoup de pays en crise dans le monde qui ne font pas tellement l'attention de la communauté internationale. Mais la RCA fait l'attention de toute la communauté internationale. La RCA était à l'agenda de l'Assemblée générale des Nations Unies avec un événement de haut niveau organisé par le secrétaire général. La RCA mobilise les Nations Unies, mobilise l'Union européenne. J'ai parlé des élections. L'Union européenne a déjà consenti 15 millions d'euros pour appuyer les élections avec un budget de 50 millions. La RCA mobilise l'Union africaine. La RCA mobilise la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Donc voilà une crise sur laquelle les yeux de la communauté internationale sont rivés. Et c'est un momentum qu'il faut absolument maintenir pour aider à sortir de la crise. Sortir de la crise, ce n'est pas difficile. Cela suppose une mobilisation permanente de la communauté internationale et un soutien massif, surtout des partenaires techniques et financiers de la RCA. Merci. Thank you very much, sir. It's a very challenging tour d'horizon there, and I hope we can come back and discuss some of these issues, like you were talking about the illegal exploitation of gold and precious minerals, and issues such as climate change and the impact it's having on displacement. These are very topical issues. I would like now to call on Mr. Sidiku Sambo of the G5, the Sahel, because, of course, that overlaps with your own areas of competence. And then we'll go to the north of the continent. Thank you very much. Thank you so much, sir. Merci à Amadeus de nous offrir cette plateforme, pour discuter de questions essentielles de paix et de sécurité dans notre environnement.
Je voulais dire d'abord, parce que j'étais, évidemment, j'étais en RDC, j'avais le même rôle que quand mes deux prédécesseurs dans les pays où ils sont. J'étais représentant spécial secrétaire général des Nations Unies jusqu'en février de l'année dernière. Je voulais dire que dans l'approche communément reconnue comme étant la plus appropriée pour résoudre ce type de conflit, l'approche régionale n'est pas suffisamment prise en compte. Et je pense qu'elle est essentielle. Le ministre Ndiaye en a parlé un tout petit peu. Mais actuellement, ce rôle de pays de la région se limite à l'étape permettant de ramener la stabilité, de freiner la dégradation de la situation et de sécuriser les populations. C'est ce que j'ai vécu aussi en Somalie après le ministre Anadif. C'est une étape cruciale, mais cela constitue juste une première étape qui doit entraîner une suite plus axée sur le développement durable de ces régions dans un projet commun à tous les pays voisins. C'est simple. Tout le monde dit, les populations et tout, il n'y a pas de protection. En plus, elle se pose la question en anglais, « What is in there for me ?» Est-ce qu'on s'occupe réellement de moi? Si on ne s'occupe pas de moi, je vais avoir un autre type d'activité. On peut en revenir, enfin, revenir dans les questions et réponses, en ce qui concerne le Sahel en particulier. Les plans de développement régionaux existent, nous le savons, mais il faut constater malheureusement que leur mise en œuvre est souvent laborieuse. Actuellement, ces grands plans restent peu perceptibles par les populations. Et c'est ça le problème que nous avons, à mon avis. C'est ainsi qu'il nous faut envisager des étapes intermédiaires. Entre l'étape initiale de stabilisation et de pacification, il doit être de lancer des projets plus modestes et plus rapidement palpables par les populations et qui impliquent l'ensemble des pays de ces régions en crise. Je pense à la RDC et à ses 9 voisins, par exemple. Des projets emblématiques qui vont ressouder le lien entre gouvernant et gouverné et entre les populations de ces pays. Et c'est essentiel aussi qu'elles se reconnaissent comme appartenant au même ensemble et ayant besoin de la même paix dans la région, pour créer les conditions d'une réelle exécution des plans de développement plus globaux et davantage inscrits dans le long terme. Nous pourrions voir ces plans, là vous voyez, je parle de développement et d'économie, je ne parle pas de crise de guerre, là. Je le fais exprès parce que je sais que nous allons revenir sur ces questions là après. Ces plans pourraient être comme des projets phares, intégrateurs, mobilisateurs réalisés dans une étape intermédiaire comme des preuves que des lendemains meilleurs sont possibles dans ces régions et que les sacrifices à faire en vaudront la peine. Ce sont des projets donc qui renforcent les liens entre les peuples, les communautés, souvent ayant vécu des conflits récemment et qui vont désormais s'inscrire dans l'action commune vers un progrès mutuel et bien compris. Je le dis aussi parce que je m'occupe d'un ensemble, le G5 Sahel, où des chefs d'État ont vu qu'ils avaient leur pays avait une communauté de destin, ont décidé d'amener ensemble, de mutualiser leurs efforts, aussi bien sur le plan de la sécurité, mais surtout sur le plan de développement. Initialement, ils avaient un plan, une stratégie développement et sécurité. Malheureusement, la Libye, je ne veux pas en parler trop, on y reviendra, la Libye a fait en sorte que tout l'ensemble a explosé et la sécurité a pris le devant de la scène avec tout ce que vous savez comme question de terrorisme et de multiplication et d'éparpillement des armes, des arsenaux de Kadhafi. Je voulais dire ici aussi que les jeunes en particulier, si nous avons des plans intégrateurs rassemblant au-delà de quelques pays et rassemblant et auxquels les populations peuvent s'identifier, les jeunes épuiseront des sources de motivation. Les populations seront mobilisées, elles seront moins désabusées et ne verront plus comme des chimères les grands plans de développement conçus par les élites, mais rarement encore bien appliqués. Nous avons 2063, etc., au niveau de l'Union africaine, mais au-delà de nous autres ici, qu'est-ce que les peuples en savent réellement? Voilà, je ne veux pas être plus long. J'espère que les Q&A, les questions et réponses nous permettront de revenir sur les questions. Merci beaucoup. I'm sure we'll have questions on that because talking about grassroots initiatives and building trust between people and the government is something that seems to be sadly lacking by the major international organizations. So I'm sure we'll get questions on that. I'd like now to come to, I hope you don't mind me calling you an academic, but the academic on our panel, who's Mr. François Bourgat, is an Islamologist and political scientist. At various institutes, but including the Institute of Research and Studies on the Arab and Muslim World.
So, sir, I'd be very interested in having your perspective on the three speeches to date and maybe some of the common themes that are already beginning to emerge, actually, in this very turbulent region. Merci infiniment, Monsieur le Président. Merci aussi à l'Institut Amadeus qui nous donne cette occasion à la fois utile et agréable d'échanger et donc d'apprendre. Je n'ai pas le privilège qu'ont mes compagnons dans ce panel d'être un fils des régions concernées. Je me sens donc beaucoup plus illégitime que d'autres à m'exprimer. Le pays auquel je suis le moins étranger ne se trouve au nord du Sahel et pas au sud. C'est la Libye. Et donc c'est exclusivement de la Libye que je vais parler, mais ce qu'on dit à propos de la Libye résonne un peu partout dans la région. D'abord, je voudrais exprimer un point de vue un peu incongru. Qu'est-ce qui lui prend celui-là de dire une chose pareille ? Je voudrais dire que la situation de la Libye est extrêmement dramatique, elle est extrêmement difficile, mais il y a un pays où j'ai vécu longuement qui s'appelle la Syrie. Je dirais que la situation de la Libye est moins profondément dramatique que la situation de la Syrie. Pourquoi j'éprouve le besoin de dire cela ? Parce que dans ce long processus difficile, moi j'appelle ça la phase de réconciliation des sociétés du Proche-Orient ou du monde post-colonial avec leurs institutions politiques. Dans ce long processus, la Syrie n'a pas franchi l'étape essentielle que la Libye a franchie, fût-ce dans des conditions contradictoires et qu'on peut critiquer, mais la Libye n'a plus cet obstacle de l'existence d'un pouvoir autocratique enraciné pendant 42 années dans le tissu social. Enraciné, je dis, il ne l'a pas construit, il l'a déconstruit. La caractéristique de la Libye est d'être désinstitutionnalisée. Lorsqu'il y avait trois Libyens qui parlaient entre eux, c'était interdit, c'était considéré comme un complot. La Libye n'avait pas d'armée, on enlevait les chenilles des tanks pour pas qu'ils risquent d'intervenir contre le leader suprême. Alors, je pense que, pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que je ne voudrais pas qu'on oublie que la raison pour laquelle nous sommes réunis ici en train de parler de la violence politique, du terrorisme, elle est relativement simple. Comme l'a bien rappelé Saïd Barakat tout à l'heure, il a dit « Vous voulez qu'on cesse de parler du terrorisme ? Vous faites une paix viable par les deux côtés en israélo-arabe et vous améliorez la gouvernance dans tous les États de la région. » Nous sommes ici parce que the root cause de ces tensions, c'est l'autocratisme extrême de régimes qui ont été autorisés à perdurer grâce à des ingérences étrangères. Alors, qu'est-ce qui se passe en Libye ? Moi, je vais aller plus loin que le Premier ministre Maïga. Je ne vais pas renvoyer dos à dos les deux dynamiques qui sont à l'œuvre en Libye. Il y a deux dynamiques à l'œuvre en Libye. Il y en a une, je dirais franchement, qui a ma sympathie. C'est celle qui est lente, longue, difficile, multilatérale, qui implique que des transactions soient faites entre des forces politiques qui n'ont pas le même imaginaire politique. C'est celle qui est quand même soutenue par l'ONU. On verra qui sont les acteurs. Et puis il y en a une autre qui est un... Alors cette première dynamique, elle a une chance, selon moi, de nous amener au-delà de la case, retour à la case Kadhafi. Si on veut quelque chose de nouveau, il faut dépasser la case de l'autoritarisme. Et si on emprunte les raccourcis de la seconde dynamique, là je mentionne le maréchal Haftar, quelle est la seconde dynamique si ce n'est emprunter un raccourci abrupt dans le lent processus de réconciliation de la société avec ses institutions politiques et imposer un régime dont nous savons que ses promoteurs, ne le répétez à personne, c'est les Émiratis, ne le dites encore moins à personne, surtout chez moi, mais c'est aussi la France que les Émiratis, la France, les États-Unis, bon, ils se mettent un peu à hésiter depuis que les Russes ont pointé le bout de leur nez dans le soutien de Haftar. Mais la seconde dynamique, c'est un raccourci brutal qui aboutirait à imposer un régime dont le modèle est le maréchal Sisi. Et donc, nous serions de retour à la case départ qui a causé les blocages dont nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui les possibilités de les dépasser. Pourquoi je me sens tout particulièrement concerné en tant que citoyen français ? Souvent, vous pourriez me dire, ça ne te regarde pas la situation en Libye. Mais moi, la situation, ce qui se passe en Libye, ce qui se passe au Yémen,
ce qui se passe en Arabie Saoudite me concerne très directement en tant que citoyen français. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si vous connaissez la stratégie des Émiratis depuis 5 ou 6 ans. Elle consiste à criminaliser auprès des Européens les seuls courants politiques qui risquent de les challenger dans les urnes. Et vous les connaissez, ces courants politiques. Hein, ce n'est pas l'extrême gauche. Hein, c'est évidemment la composante modérée des courants qu'on assimile à l'islam politique. Alors que font les Émiratis ? Et je pourrais vous donner des exemples extraordinairement précis. Ils essayent de rendre la société française encore plus islamophobe qu'elle n'est. Vous savez, on a des facilités, nous autres Français, pour être de façon émotionnelle un petit peu en tension avec l'islam. Eh bien, il faut quand même que vous sachiez que nous portons 90% de la responsabilité. Mais 10% de la responsabilité, elle vient, les Émiratis ne sont pas les seuls. Ils font simplement ce qu'a fait Zine El Abidine Ben Ali ou les généraux algériens pendant des décennies. Ils essayent de cultiver la criminalisation de leurs opposants politiques pour en bénéficier. Hein ? Et donc, moi, je me sens, quand dans ma société française, je me sens mal à l'aise parce que je dis, mais où va-t-on, cette espèce d'hystérie islamophobe ? Il faut que l'on sache que les Émiratis, ils ont des officines hein, où ils publient des horreurs, des critiques de votre serviteur, bien sûr. Tous ceux qui essayent de rationaliser le débat sont criminalisés. Pourquoi ? Parce que les Émiratis veulent criminaliser leurs opposants. Et ça, le champ, c'est la Libye. Une petite note optimiste, quand même, pour terminer. Elle est fragile, mais peut-être le savez-vous, depuis que les Saoudiens ont reçu quelques missiles particulièrement bien placés sur leurs installations pétrolières, je crois qu'il y a eu un tournant au Proche-Orient. À la fois les Émiratis qui ont été mis, on m'a raconté, je n'ai pas le temps de le raconter, mais les Émiratis, on les a emmenés en Iran et on leur a dit, regardez bien dans les cavernes là, vous voyez les missiles, s'ils partent, en 10 minutes, on vous fait 800 milliards de dégâts dans vos infrastructures urbaines. Les Émiratis ont commencé à comprendre qu'ils n'étaient pas seulement nus militairement, comme l'a démontré l'attaque des Houthis ou des Iraniens, je m'en fiche, sur les installations pétrolières, ils étaient également nus diplomatiquement. Ils ont compris que ni la technologie américaine, ni la diplomatie américaine ne viendraient les sauver en cas d'affrontement si la région prenait feu. Donc les Émiratis et les Saoudiens ont commencé... Tout doucement, les Émiratis, vous le savez, ont plus ou moins renoué avec les Iraniens. Mais tout à l'heure, depuis Doha, on m'a dit, tu sais, il y a des rumeurs de réconciliation. On sait qu'il y a actuellement, au cœur du dispositif qui fracture le Conseil de coopération du Golfe, des premières tentatives de rapprochement. Si ces tentatives de rapprochement avaient lieu, nous arriverions alors enfin à cette hypothèse qu'a évoquée Monsieur le Premier ministre Maïga, qui est la seule... Les Libyens n'ont pas leur destin en main actuellement, comme les Syriens n'ont pas leur destin en main. Ce sont les acteurs extérieurs qui ont leur destin en main. Eh bien, évidemment, si les acteurs extérieurs avaient enfin un agenda commun à l'égard de la Libye, alors on pourrait vraiment espérer que dans un court terme beaucoup plus proche qu'on peut le penser, les Libyens seraient en capacité... eux-mêmes, hein, sans interférence majeure, de reprendre leur destin en main. Et je vais dire quelque chose d'absolument incongru pour conclure. Je suis, pour ma part, parfaitement optimiste sur la capacité de ces régions du monde à reprendre leur destin en marche. Et je vais vous faire une confidence. C'est pas sur le sud de la Méditerranée que je suis pessimiste, c'est plutôt sur le nord. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much, François. And thank you so far to all my speakers, because we're doing very well time-wise. We have two more, but we're going to wrap up, and so that you can ask questions. But as I said earlier when I was commenting on the death of the opposition leader in Burundi, we are talking about human beings. And Libya, we are seeing a return to modern-day slavery. We're seeing Africans held in cages, traded in markets, where we're seeing dreadful situations of people crossing the Mediterranean, which has become the deadliest migration route in the world, drowning victims of traffickers. These are not Libyan problems, they're not even African problems, they're global problems, and they all overlap. I'd like now to get a specific view on Libya from our next speaker, who is... Mr. Gomati,
who's the managing director of the Sadiq Institute. And I'm looking forward to hearing what you've got to say. And then we'll be summing up, and then we'll be coming to you for questions. Thank you very much indeed. Thank you very much, Mr. Moderator. And thank you very much to the Amadeus Institute, to Ibrahim Fazi Fahdi, for this kind invitation, for giving me this platform here today, and for yourselves for giving us your time. I think it's a great place not only to be speaking about this subject on Libya specifically, but here in Morocco, because we can also discuss the role that Morocco has played, the critical role that Morocco played in Libya's very troubled last 8 years, and how it was the model. And I think it's to complement the words that Francois said in his intervention moments before me. But let me begin. When speaking about Libya and speaking about these crises in general, we should remember that challenges are inevitable. We live in a time where these really are the global challenges of the day, and they're becoming much more problematic, much more entrenched, and these crises are not going away. They are inevitable. But if challenges are inevitable, but conflict doesn't have to be. Conflict only begins in places where the mechanisms for mitigation, the mechanisms for negotiation, for discourse, are absent. And I find it regretful that our earlier speakers before didn't mention this when mentioning Libya. We had a 30-second overview between 1969 and 2011, as if nothing happened, as if Libyans didn't exist. And I think I find that regretful, because those conversations that didn't take place for 42 years then began to take place in 8 months during the revolution, during an armed intervention. It's regretful. Libyans themselves find it more regretful than anybody else in the world. We don't need to be told by anybody how regretful that situation is. We're picking up the pieces and holding the bill in our own hands. But those conversations have to take place. Citizens, not only in Libya, but in the region, are under an enormous amount of strain. An enormous amount of strain. Socioeconomic failure across the board. Failures in transportation, education, healthcare. These are things that are not only challenges in Libya, but across the region. But think for a moment in a country like Libya that has in the region of $50 to $60 billion a year in oil income. And to live in that failure, to be born in the 1980s like myself, and to inherit that failure with no means of myself. I wasn't responsible for that. I was born into that. My generation was born into that and inherited that failure. And there were no mechanisms to discuss that. And there's a relevance for why that question is so important, because it's in tune and in line with the climate that we face in Europe. In the previous session, we were discussing Brexit. Brexit is a symptom of the wider populism that has taken root in Europe and the wider populist atmosphere that took root in our region, in North Africa, in the Middle East. But there is a dangerous, dangerous dilemma that we're faced with. And it's been taking place the last couple of years, because it's not just the dilemma of how we diagnose these problems, it's the prescriptions that we offer. That's the tragedy, because the prescriptions tell you how people view the world. A country that has so much potential like Libya, a small population of 5 million people, a massive, massive surplus of wealth, and very little divisions, in theory, always. But the solution that we're hearing is that it's got to be the military generals, or it's anarchy and chaos, or even worse, it's ISIS. Now, that's not just the solutions that we might hear sometimes in the region. We also hear it from the far right in Europe. We often hear that Muslims and Arabs are unable to be Democrats. Muslims and Arabs are unable to engage with democracy. It's a very convenient narrative that I hear, because I wear two hats as a European, as a Libyan. And both of those conversations, I find them highly, highly disturbing, because it's that dangerous narrative, it's that dangerous oversimplification of the world. And when those kind of narratives are being sold, you know that someone is not really giving you the answer. The world is more complex, and the complexity shouldn't bother us, it shouldn't hurt us. Those challenges that we're facing, whether it's migration, whether it's security,
whether it's the various forms of instability, whether it's the fact that our situation or our populations are not as resilient as they may have been 50 years ago, 100 years ago, the massive transformations and strides we're making with social media, the ability to have conversations across borders, they're not going anywhere anytime soon. The vital things that we need are to discuss these situations, to have mechanisms, to have forums, to have platforms, to engage with one another, and not view things through these very nasty prisms about how our populations are. Either they want to take us to task as members of ISIS, or they want to invade us as migrants. That's nonsense. We shouldn't entertain that. Or we shouldn't preserve this idea that's sovereignty above all. You have an obligation. We have a responsibility to our citizens. Let's not forget that. And we have a responsibility to understand that complexity, that pluralism, to celebrate it at times, but to enrich the layers, to enrich the relationship between the governor and the governed. That is our obligation, and we should not run away from it and not entertain it through fear. Thank you. Thank you. Thank you very much. Well, we're certainly having a discussion, and we're going to have a time to continue it. But I'd like to ask Olivier Goutard to sum up, and well, not sum up, but to try and see some of the common themes and strands that we've been discussing here. A difficult task, but one I'm sure you're up to. Thank you very much, Mr. President. Thank you to the Amadeus Institute for having invited me. Yes, indeed. Before I start my comment, I would like to point out that contrary to somebody on this panel, I will stick to the issues here, and I will not attack a country that has nothing to do with anything. So I'll focus on my point and get you the larger scheme of things. For me, the major problem that we have in the region is foreign intervention. And we cannot call Libya a civil war. It is a proxy war for a lot of countries. It's not only the UAE, it's not only France, it's Qatar and Turkey that have a major role in what happened at the beginning and still have an issue. Russia and the US and Saudi have come, but I think that to get to Anna's point, I think that also working on issues in Libya, there's not a lot of differences between the different tribes and the different people. If it were not for the foreign intervention, I would put to you that probably Libya would be peaceful today. A few points that I want to make sure that we come across is that there's one country that we forgot in the title, and that's the country that from the past 2.5 years have suffered the most from terrorism in the region, and it's Burkina Faso. I'm puzzled that with what, how much security has gone down in that country, terrorism has taken a hold. In just 2.5 years, the security situation has gone down the drain. And just to give you one statistic, last year there were 223 terror attacks in Burkina Faso, killing 208 people. I think that's when we look at the makeup of the Sahel and how different groups are looking at creating chaos and possibly like Al-Qaeda in Mali in 2013, trying to take over a country and set up a caliphate, I think we have to understand that terror groups are now gearing towards cooperating to go after countries and also go after the MINUSMA forces or the GSAIL forces. So just naming them, Al-Qaeda in Islamic Maghreb, Islamic State in the Greater Sahara, Ansar Din and Al-Murabitoun are cooperating to try as much as possible to create chaos in Mali, for instance. The Sahel has become, you know, one of the largest band of terrors that we've seen, and it's time for people to realize that it should be a priority, not only for France, but also for Europe and the US. I mean, I'm still puzzled. We have a representative here of the G5 Sahel. I feel extremely bad that out of the $1 billion that was promised for those forces, just a fraction of this has been paid out. So
Look, all the way from Saudi Arabia to France, most countries are not paying what they promised they will pay. And until this happens, it's going to be very difficult for African forces to have the means to fight the jihadist. Last but not least, three themes and three trends that I'm seeing, because what we try to do is we travel in all those countries and we try to connect the dots and see the massive trend. One thing is that you look at Mali, you look at Niger, you look at Burkina Faso. People killed by jihadists in those countries have doubled each one of the past 2 years. We're talking about a contagion. This is not just one country, and we see the movement expanding. I'm concerned that other major African countries, including the Ivory Coast, could be a target of jihadists in a long, prolonged way. Last point that has to do with foreign intervention, but proxy war, I think there's one thing that we haven't looked at is that there is trying to win the influence of different countries from actors that have been there for a long time and actors are coming up. So you look at countries like the Central African Republic, Burkina Faso, even Mali, there is a proxy war between France and Russia that is happening. It's a soft war, but this is for the hearts and minds of Africans. And in the end, I think that it will create even more chaos that this soft power war is happening there. Thank you very much. Oliver, thank you very, very much. I'm under a lot of pressure for us not to go on too long. Anas, I'll come to you because I'd like you to respond immediately, but then I'd like to come to you, sir, because of the reference to the G5, and then I'm going to take a couple of questions. Yes, I think it's just to come on to Olivier's point. I regretfully and respectfully disagree with a couple of points. And the first is, that I wanted to mention the example here of Morocco, that Morocco played a critical role in Libya in 2014 to late 2015 by mediating between the Libyan factions, a role that unfortunately the international community has failed Libyans with today, one that we should insist should be done, and there is something that is desperate about that situation. But whilst it was doing that, it was the UAE and Egypt that were building an airbase in Libya. Whilst Morocco and Libyans were struggling for peace, the UAE regretfully was preparing for war. And we shouldn't forget that. Turkey's role can be adequately explained. It has joined the GNA after the fact, after France, the UAE, and Egypt refused not only militarily to stop attacking the UN-backed government in Tripoli, but stopped the sanctioning of Khalifa Haftar at the Security Council. That is something that we must reference, and it's a moral imperative to reference it at the very least, because history shouldn't forget. It's a very, very simple point. Thank you for that intervention. I'm sure we'll have questions on that. Mr. Sidiku, would you like to respond to the... Merci beaucoup. Merci à M. Gouta d'être notre avocat en ce qui concerne les moyens qui ont été promis dans le cadre de la responsabilité partagée du monde dans la lutte contre le terrorisme et qui ne soutient, qui ne vient pas assez vite et qui nous amène aussi à ne pas avoir les ressources qu'il faut, la force qu'il faut pour faire face au terrorisme dans ce que nous appelons notre fuseau-centre, Burkina, Mali, Burkina, Niger. Mais n'oubliez pas que notre espace est un espace de solidarité. Lorsque il y a eu une guerre au Nord-Mali, les djihadistes ont attaqué, qui on a vu là-bas en premier lieu? Les soldats tchadiens, avec officiers supérieurs en tête, et qui ont fait des sacrifices énormes. Aujourd'hui, nous assistons à la même chose. Les soldats tchadiens vont venir au fuseau-centre pour faire face à la situation, soutenir les autres forces, qui sont peut-être moins préparées, au type de guerre asymétrique qui est imposé pour faire le travail. Donc, nos forces sont en train de se mettre ensemble. Nous avons un collège de défense qui forme les officiers ensemble. Nous avons une plateforme de coopération de sécurité militaire en matière de sécurité qui permet le partage de renseignements. Nous avons une académie régionale de police qui se met en place au Tchad. Cela dit, lorsque nous sommes allés aux Nations Unies, nos chefs d'État ont demandé au Conseil de sécurité de placer la force conjointe du 5 Sahel sous le chapitre 7 des Nations Unies pour pouvoir avoir le mandat, la légitimité et les ressources qu'il faut. Bon, il se trouve qu'il y a un pays qui a bloqué cela. Ça, c'est aussi une réalité avec laquelle il faut compter. Je reviens à ce que je disais sur la nécessité de penser régional. Nous ne nous en sortirons pas sans penser régional. La Libye n'est pas une île, malgré la description que nous avons eue tout à l'heure. La Libye, c'est toute notre région.
toutes nos régions marchaient mieux quand il y avait la Libye telle qu'elle était. Bon, il y avait des problèmes que nous savions qu'il y avait sur le plan de la gouvernance, etc., qu'il y a dans tous les pays en réalité. Mais cet écrasement, ce bombardement systématique qui a détruit ce pays est ce qui nous fait du tort aujourd'hui. Je veux pas, je travaille aussi sur l'Irak, je peux faire d'autres choses sur l'Irak. Merci beaucoup. Thank you very, very much. There's definitely a lot of challenges. And one thing that's come across to me is that also there is not a lack of money in these areas. You mentioned a huge figure there, the oil money. We've heard about the gold and the precious stones. There's a lot of money in this area. That might be one of the reasons for the foreign intervention. But I'm going to take some questions because I'm sure, and hands are going up quickly. The lady over there, please, in the... Thank you for giving me the floor. My name is Fatoumata, student in business administration. So my question will be addressed to Mr. Ndiaye. You were previously mentioning about the countries you have borders with. And as a Cameroonian, I felt like I have to ask, what are your concrete expectations from the neighborhood in order to enhance and improve the stability of the continent? Thank you. Mr. Ndiaye, and thank you for making it clear which member of the panel you want to address the question to. I should have made that. I will let you think about that. I will take two questions, and then we'll answer them collectively, if that's okay. The gentleman in the bluish outfit. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Abdallah Sourali, étudiant en droit de la nationalité tchadienne. D'après les analyses, l'Afghanistan doit encore attendre 20 ans pour qu'il soit stable sur tous les plans. Cette partie de l'Afrique, touchée par le terrorisme et les sectes djihadistes, doit pouvoir attendre combien des années pour que la jeunesse doit être conscient ou bien... I understand the question. Which panelist do you want to address it to? Because if I let all five on, six, we'll definitely miss the flight. Oui, pour que la jeunesse... Oui. Oui, à tout le monde. Moi, je vais choisir dans ce cas. Pour que la jeunesse... La troisième question, là-bas, s'il vous plaît, monsieur. Et bonsoir tout le monde, je reprends au nom de Nonzo Manyoudewa. Et donc, j'ai quelques questions. Ma première question, c'est d'abord de savoir, parce que quand il y a la guerre, quand on veut résoudre un problème, il serait peut-être mieux de connaître la source du problème. Parce que lorsqu'on veut guérir une maladie, il faut connaître le virus pour proposer un antidote adéquat. Donc, quand on parle de résoudre le terrorisme, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui, c'est depuis la nuit des temps que ça existe. Et chaque année, on voit que chaque année, le nombre de morts, ça augmente. Maintenant, la question que je pose, est-ce que vous savez ce qui finance ce terrorisme? Et qu'est-ce qui cause ce terrorisme? Et si vous savez ce qui finance ce terrorisme, quelles sont les perspectives qui sont prise en compte pour pénaliser ce genre de personnes, parce qu'on ne peut pas laisser un problème qui sera toujours perpétuel dans ce sens. Ça, c'est déjà deux questions. Okay. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Alors, on a pris trois questions. Je vais vous revenir dans un instant. Monsieur Ndiaye, d'abord. Merci beaucoup. Merci, Marcel. Vous avez posé une question importante. Nous avons tout à l'heure souligné l'importance de la dimension régionale dans le règlement des crises. L'accord politique de paix et de réconciliation qui a été signé le 6 février dernier à Bangui a comme facilitateur tous les pays de la région qui jouent un rôle extrêmement important. Vous connaissez un peu la porosité des frontières, vous savez exactement tous les types de trafic qui se déroulent dans les frontières, trafic d'armes, trafic de ressources naturelles. Et donc la relation avec le voisinage est très 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 importante et je me félicite déjà qu'il y ait eu la commission mixte entre le Cameroun et la République centrafricaine, qui s'est tenue en début mai, présidée par les deux ministres étrangères, où toutes ces questions frontalières ont été abordées, où beaucoup d'initiatives ont été prises, qu'il importe certainement de mettre en œuvre, c'est important. Il y a des commissions mixtes également, une commission mixte s'est tenue, je l'ai dit, avec le Congo, il y a une commission mixte qui se tiendra
d'ici à la fin du mois de décembre avec le Tchad, une commission mixte avec le Soudan également en début décembre. Donc la dimension régionale de règlement des crises comme celle qui sévit en Centrafrique et comme celle qui sévit également au Mali et ailleurs, cette dimension régionale est extrêmement importante. Et vous connaissez également le rôle important que joue le Cameroun dans l'approvisionnement de la République centrafricaine. La route principale Douala-Bangui, c'est une route économique vitale pour le Cameroun parce que beaucoup d'importations passent par le port de Douala. Et donc la relation entre le Cameroun et la République centrafricaine est une relation essentielle. Merci. Thank you. Mr. Saleh and Mr. Bourga, I'd like you to address the question by the gentleman there. How long do these countries need to recover from these crises? And as he was saying, Afghanistan, if they get a peace deal, is going to take more than 20 years to even have a semblance of normality. Je suis désobéissant, je vais répondre à deux questions à la fois. Les crises dans ces régions du monde perdureront tant que nous poserons des fausses questions et se focaliser sur le financement du terrorisme. Qui c'est qui finance le terrorisme ? C'est souvent une façon de refuser d'accepter l'idée que les terroristes, ils s'autofinancent. Et s'ils s'autofinancent, ça veut dire quoi ? C'est que la responsabilité n'est pas à chercher dans des acteurs extérieurs, mais au lieu de se focaliser sur le comment ils font pour trouver de l'argent, par où ils passent pour nous attaquer, quelle idéologie ils utilisent pour exprimer leur hostilité, ça nous évite de nous poser la question pourquoi ils nous en veulent ? Quel est le moteur de l'hostilité qu'expriment les terroristes ? Et donc, je pense que, effectivement, tant que cette question du terrorisme, qui est la plus mauvaise question, la plus mauvaise problématique possible pour étudier les conditions dans lesquelles les sociétés vont se stabiliser, tant qu'elle prévaut, eh bien, effectivement, il faudra attendre. Ça fait combien de temps qu'on fait la guerre contre la terreur en Afghanistan ? Rappelez-moi. Hein ? On en est où comme résultat ? Les forces qui ont capitalisé l'hostilité de la planète entière, les talibans, sont aux portes du pouvoir. Donc tant que nous aurons un logiciel, une problématique pour considérer l'outil, le concept terrorisme aussi erroné que celle-là, c'est-à-dire une problématique qui nous évite de prendre la part de responsabilité que chacun d'entre nous avons. Chaque fois qu'on s'interroge sur le financement, on dit ça vient de la part de l'autre, ça vient et on n'est jamais. Chaque fois qu'on surinvestit l'idéologie, c'est parce qu'ils sont tombés dans l'islam radical. On évite de se poser la question en termes politiques et donc d'accepter la part de responsabilité que nous avons. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Sidikou, vous voulez dire quelque chose. Je sens que je dois quand même réagir ici. Monsieur Bourga, je suis en grande partie d'accord avec vous. Mais voyez-vous, moi, j'étais en Afghanistan en fin 2001. J'étais en Irak après la chute de Saddam Hussein. J'étais en Somalie où j'ai vu un peu comment les Al-Shabaab fonctionne. C'est vrai qu'il y a l'autofinancement, mais c'est vrai aussi qu'il y a des agendas extérieurs, il y a des financements extérieurs, il y a des formations extérieures. Ça, on ne peut pas se le cacher. Deuxièmement, nous ne nous faisons pas d'illusions, je ne sais pas qui a posé la question, sur combien de temps ça durera. Mais ça va durer longtemps. La Somalie, ça fait quoi, Mohamed, ça fait une vingtaine d'années. C'est depuis la chute de Riek Barré. L'Afghanistan, n'en parlons pas, ça va durer. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de faire croire aux gens que ça va être réglé après-demain. Ça, ce serait l'erreur fatale pour nous tous. Merci bien. Thank you very much. Anas, I know you'd like to say something about terrorism, and we are a democratic organization. I can see that many people want us to continue. Is that correct? Okay, that's good. But Monsieur Saleh, after Mr. Anas, please add a few words. Please keep the answers brief now. I will. Thank you. It's an interesting question about this. When we ask about the financing of terrorism, we're really asking what sustains it. How do they find people? Because, you know, if it's a question of money and the number, how much do they pay their people to recruit them and so forth? But what is this lifeblood? I think it's because terrorists are doing two things. The first is they're identifying the gaps, the vulnerable, the marginalized
in society. Now, in Iraq, that may have been Sunni groups that were marginalized after the intervention in 2003. It might be in Libya, where they found a foothold in Sirte, the ancestral home of Gaddafi, and tribes that fell out of the revolutionary strongholds in 2011. But it could also be foreign fighters that are looking for more in life than just violence. And I think this is a controversial point, but there are many there, and I think that some of those people are looking for redemption. And I think that's one of the things that we find so often, or more often than not, is that these people are lost, they don't really know where they're going in life, and they find, again, very, very simple narratives that drive and draw them in. And those narratives, or those messages, that journey they think they're going on, many of them are paying or putting money from their own pockets to go there. When you ask about what sustains and the financing of terrorism, ask yourself how Europeans left with their own money to go and join. Okay, thank you. Monsieur Saleh, I'd like to hear. Je voudrais juste brièvement me centrer sur le thème de notre débat. Je crois qu'on a fait le constat et on avait dit comment sortir de la crise. Pour sortir de la crise, moi j'estime qu'il y a deux façons de le voir. Il y a des causes endogènes, mais il y a des causes aussi exogènes. Parmi les causes endogènes, il faut reconnaître qu'au niveau des pays dont on vient de parler, la question de la gouvernance, un déficit en gouvernance est un problème réel qu'il ne faut pas occulter. Il y a le nécessaire équilibre entre un État fort et les réalités locales, justement, qui sont les viviers de ce terrorisme dont les gens en parlent. Il faut également, dans nos régimes, il nous faut l'équilibre essentiel entre une vision nationale des diversités réelles. Elles peuvent être ethniques, religieuses et même idéologiques. Il ne faut pas l'oublier également. Et l'équilibre entre le centre et les périphéries dans un cadre d'une vraie justice. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'il nous faut un appareil, un outil de défense et sécurité dans les normes et dont je parle de la réforme du secteur de sécurité. Enfin, il ne faut pas oublier que les interventions extérieures, moi je ne louerai jamais les interventions extérieures, elles ont fait plutôt connaître plus du mal à l'Afrique qu'elles n'ont résolu le problème. Donc on ne va pas me convaincre que le fait que d'avoir détruit la Libye est une bonne chose. Moi je crois qu'il y a des causes internes, mais il y a des causes externes. Et si vous voyez le point commun de tous ces pays, je crois que M. François tout à l'heure l'a évoqué, c'est aussi à cause de leur richesse. Il ne faut pas oublier cela. Et je crois qu'il y a des pays pauvres qui sont au niveau du Sahel. On n'a pas fait la même coalition qu'on a faite pour l'Irak, pour la Syrie, et ainsi de suite. Thank you very much. We have incredible diverse opinions here, and it shows what a difficult subject this is. We have to vacate very soon because the president of Sierra Leone is going to come. But I'd like Olivier, if you would like to just comment and respond to that question, and also sum up for us. Thank you very much indeed. And thank you to all the panel, and I hope you don't miss your flights. Thank you. Yes, regarding the question of the financing of terrorism, it is true. The auto-financing work, the personal funding happens time and again. But in the case of Mali, it's been widely documented that Qatar has funded Al-Qaeda in Islamic Maghreb and that Qatar has French blood on their hands. And this should not be just pushed under the rug for any reason whatsoever. I think that to end on a hopeful note, just today was announced that three countries in the Sahel will work together, cooperate, and have border patrols together. And I think that the way we've seen it, for instance, in Morocco, how Morocco is cooperating with Spain, this model works extremely good. And I would love for this to be followed in the Sahel. And we're seeing countries that understand that they have to work on a regional solution. Thank you. Thank you very much, and thank you all for coming. And I'm glad we can end on an optimistic note. Thank you. Bye-bye. Thank you.